Oui. Papa, moi avant je n'avais pas de boule. C'est lorsque nous étions partis au palais des sports dernièrement. Quand je suis rentré, mon pied a commencé à caler derrière. J'ai aspergé de l'eau ouinte. Après avoir aspergé, la jambe a grossi. Ça a formé une boule ici. Mais aujourd'hui, quand vous avez commencé à faire la prière, j'ai senti une faiblesse en moi. Après, je me suis écroulé et c'est après la chaleur est venue. Quand je suis allé vérifier, je n'ai plus trouvé la boule. Wow. En passant, papa, je vous demande une petite faveur. Je n'ai pas de moyens, mais mon enfant que voici, il a fait le concours d'entrée en sixième, mais section anglophone. Il a réussi la première partie. Deuxième partie, ils ont fait l'interview. C'était hier. Les résultats vont sortir au courant de la semaine, papa. Aidez-moi. D'accord, je vous aide. Oui. Et les mamans. Et tu vas voir une maman souffrir comme ça et l'enfant va grandir et l'insulter. And a child will grow and insult her. Seigneur, je prie. Lord, I pray. Donc, l'enfant a fait le concours d'entrée en sixième. Oui, section anglophone. Section anglophone. Oui, mais elles sont deux parties. Donc, la première, il est passé l'interview maintenant. Il a réussi l'interview, c'est ça? Pas encore. Les résultats sortent. Là, ils ont fait hier. Et vous voulez que je vous aide? Oui, pour que son nom puisse sortir. D'accord. Ce que la femme, attendez, ce qu'elle demande, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que supposons que l'enfant a mal travaillé et qu'il a déjà échoué. Hein? Elle serait venue avant, non? Bon, maintenant, elle dit que je dois prier. Si l'enfant a déjà échoué, ça veut dire que la prière que je veux faire, ce qu'elle me demande, c'est que je fasse le nom de son enfant parmi ceux qui ont échoué. J'inscris le nom de l'enfant parmi ceux qui ont réussi. Toutes les copies de l'enfant où il avait la sous-moyenne, je falsifie ça prophétiquement pour que l'enfant réussisse. La la la, la la la. Zaras, vous faites quoi dans la vie? What's your occupation? Je me débrouille, je fais. Avec le commerce, un peu de commerce, levez-vous. D'accord. Fine. Vous débrouillez avec un peu de commerce. Vous êtes une bonne maman. You're a good mom. Et je veux vous aider. And I want to help you. Vous comprenez? Vous êtes une très bonne maman. Vous êtes une très bonne maman. Je veux vous aider pour ça. Mother, I will help you for that. Est-ce que vous avez vendu dans un marché? J'avais vendu à Eligedua depuis. Mais maintenant, je vends dans le quartier. Vendez dans le quartier. Oui. Est-ce qu'on peut... Vous devez rentrer au marché. You have to go back in the market. Il faut rentrer au marché. Oui, papa. Vous comprenez? Oui, vous allez papa. Rentrer au marché. You go back in the market. Parce que vous allez retourner au marché. Oui, mais ça sera très différent. And it will be very different. Vous me suivez? Oui, papa. Vous allez rentrer au marché et je vais vous expliquer. I will explain. Vous retournerez au marché, Eligedua. Il y a une place qui vous attend déjà. Zain Abenas Taros. Il y a une place qui vous attend là-bas. Et vous serez riche. You shall be rich. Accrochez-vous à Jésus. Vous serez riche. Regardez. Il y a une femme avec qui vous travaillez qu'on appelait Clarisse au marché là-bas, Eligedua. C'était une commerçante aussi. C'était une voisine à vous. Hein? C'était une amie à vous-même, une voisine. Clarisse, vous entendiez bien avec elle. Et cette femme va vous appeler. Oui, papa. Ça fait un temps que vous ne vous voyez plus. Jesus. Ça fait quelque temps que vous ne communiquez plus avec Clarisse. Ago, vous êtes séparés, ça fait quelque temps. C'est votre quantième fois de venir ici. Je viens ici depuis 2017. Et elle reprend la prophétie comme quelqu'un qui vient pour la première fois. C'est sur elle que la prophétie commence.
La dernière fois que j'avais communiqué avec Clarisse, c'est quand? The last time you spoke with Clarisse, when is that? Papa, ça fait longtemps que je suis quitté au marché. Elle que Dieu, j'ai pas seulement fait le marché et rentré. Très la dernière fois qu'on l'avait vu, c'est quand? Madame, je vais partir. Go, la dernière fois que j'avais communiqué avec elle, c'est quand? C'était depuis, papa. Vous voyez? You see. Vous pensez que je devine? Non, pas que vous devinez que c'était depuis. Ok. Elle va vous appeler. She will call you back. Elle vous appellera. Oui, papa. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Elle va vous appeler. Attendez, elle va vous appeler. She will call you. Tenez votre téléphone toujours en main. Oui, papa. Clarisse va vous appeler. Clarisse, papa. Et elle va vous dire que la place, parce que vous aviez une place là-bas. Vous avez perdu la place à cause d'une femme. Vous avez eu le problème avec une femme. Une femme est venue, elle a proposé plus d'argent. Et puis on vous a chassé. Et c'était une femme nordiste qu'on appelait Ada. Ada. Et le monsieur, il y a un monsieur qui gérait les places qu'on appelait Abena. 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 Oui, je connais Abena. Vous connaissez Abena? Moi aussi je le connais. I too, I know him. Hey! Écoutez. Listen. When we prophesy. Quand nous prophétisons. Abena Simon. C'est Abena Simon. Vous l'appelez Simon Pierre. You call him Simon Pierre. Son nom c'était Abena. 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 C'est lui qui était chargé de gérer les femmes et les places. Vous lui avez donné l'argent. 20 000 francs. Et il vous a donné la place. Et il vous a privilégié. Après, Ada est venue. Elle lui a proposé le double de ce que vous avez proposé. Voilà comment Abena est venu pour dire que non, la place, si on ne veut plus, on veut qu'on libère. Le patron a dit qu'on libère. Et puis, vous avez dit non, comment est-ce que tu as l'argent? Il a dit non, on va te rembourser ton argent. Il a remboursé 10 000 francs sur les 20 000 que vous aviez donné. Et vous avez libéré la place. Vous avez été étonné. Parce que quand vous êtes parti, Clarisse vous a appelé que Abena vous a chassé pour donner la place à Ada. Vous avez dit que ce n'est pas possible. Vous êtes retourné au marché. Faites comme si vous passez. Vous avez trouvé Ada assise à votre place. Hey! À l'heure où je suis en train de parler, Clarisse va vous appeler. Elle va vous appeler. Elle va vous appeler. Elle va vous appeler. Avec son numéro orange. Et quand elle va vous appeler, elle va vous dire de venir. Parce que votre place a été libérée. La même place à Elik Joa, c'est la même place qu'on va vous remettre. Parce que Ada et Abena ne sont plus là-bas. On les a chassés et c'est à cause de vous. La justice de Dieu pour vous les a chassés du marché. Donne-lui. Amen. Ah. Wow. Regardez. Look. Votre fils. Your son. Votre fils, your son, un papa, ange du Seigneur interviendra en sa faveur. Dieu l'aidera. Amen. Il y a quelqu'un qui l'aide. C'est quelqu'un qui a été parmi les gens qui l'ont auditionné. Amen, c'est papa. Un maître qu'on appelle John. Oui, papa. John. Ita John. Yes. Amen, papa. C'est l'ange que Dieu a suscité pour votre enfant. Amen, papa. Assigned for your child. Amen. Vous comprenez? Oui, papa. Maintenant, je vous dis quelque chose. Now we'll tell you something. Vous portez une grande alliance sur vous. You carry a great covenant on you. Vous me suivez? Oui, papa. Vous avez une grosse alliance sur vous. You have a great covenant. Je vous dis quelque chose. I will tell you something. Si vous n'êtes pas morte, if you are not dead, à Issos, à Elik Joa, vous n'allez plus mourir. You will no more die. Oui, papa. Amen. Jesus. Vous voyez nos marchés, il y a tellement de choses qui se passent là-bas. There are a lot of things happening in our markets there. Vous êtes passé à quelques mètres de la mort. Oui, papa.
au marché là-bas. Oui. Lorsque elle était au marché, market, il y avait un monsieur qui vendait au marché là-bas. Quelqu'un qu'on appelait Mouna. C'était un garçon, un monsieur très réputé. Hein? Mouna. Alors je parle, il n'est plus là-bas. As I'm speaking, he is no more there. Il y a beaucoup qui ne sont plus les anciens là, beaucoup ne sont plus là. Oui, Mouna n'est plus là. Mouna is no more. Il est parti mourir. Beaucoup sont morts to die à cause du mal qu'il a fait aux gens. Because of the evil he did to people. On l'appelait Mouna. He was called Mouna. Mouna Hassan. Mouna Hassan. Il est mort. He died. Pourquoi? Parce que son travail au marché était d'embouter les gens. Was to charm people, les femmes, women. Oui, papa. Vous me suivez? Oui, papa, je vous. Et vous, il a failli vous, and il a failli vous envoûter. He almost bewitched you. C'est Dieu qui vous a gardé. It's God that kept you. Jesus. C'est vrai, papa, parce que. J'avais eu beaucoup de problèmes. Il y avait parfois, on vient, on arrache, comme je faisais la sauvette, on arrache même ma marchandise, on part avec. Parfois, on me conditionne comme ça. Si tu ne veux pas, quand on te donne la place, fais ceci. Mais je n'avais pas toujours voulu. Maintenant, vous retournez au marché. Oui, amen. Félicitations. Congratulations. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.